Ce soir, les yeux des amateurs de football sont rivés sur le terrain du Lotto Park, où Anderlecht et le Standard se livrent un duel dans le cadre du championnat de Belgique. Nous allons retrouver notre journaliste Marine Guillet à Anderlecht. Alors Marine, on le sait, Anderlecht n'a encore gagné aucun match. Est-ce que du côté du des supporters, on y croit encore, Marine? Voilà votre explication, voilà. Et Adeline, ce que je peux vous dire, c'est que du côté des supporters anderlechtois qu'on a rencontrés juste avant le match devant le Lotto Park, c'est surtout de l'impatience et de l'attente pour ce match classico face au Standard. Vous le savez, les Mauves n'ont pas encore remporté une seule victoire depuis le début de la saison, et avec un Kompany blessé, eh bien les espoirs se reposent sur cette équipe qui est toute jeune. Alors on l'a appris également hier, le remplaçant de Kompany sur le terrain, le défenseur central néerlandais Philippe Sandler, a dû écourter son entraînement selon certaines sources hier soir pour cause de maladie. Il est aujourd'hui sélectionné sur le terrain et je suis justement à côté de un fervent supporter. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de ce match de ce soir? On y croit ou pas? Il faut y croire, ça c'est certain. Autrement, on n'est pas supporter du Sporting. Ça c'est clair. Vous en attendez quoi de ce match? Une victoire, évidemment. Ne fût-ce que 1-0 ou 2-1, on est content. Les 3 points, on en a besoin. Ça fait 20 ans que vous suivez cette équipe. Cette équipe s'est rajeunie depuis 2 ans. C'est une bonne chose ou pas pour vous? Pour moi, oui. Et en fait, Kompany fait confiance à la jeunesse. Et c'est pas plus mal. Mais vous me l'avez dit tout à l'heure, si ce n'était pas Kompany, si ça avait été un autre, il aurait déjà été éjecté depuis longtemps. Ça c'est clair, mais Kompany, c'est un très grand monsieur, ça aurait été un autre entraîneur et il serait déjà plus au Sporting, ça c'est clair. Merci beaucoup Jacques, je vous embête pas plus longtemps parce que le match a déjà commencé ici. Vous l'aurez compris, on est dans un bar de supporters juste à côté du stade et ici, eh bien, on attend la victoire. Merci beaucoup Marine, on vous laisse profiter du match. Tous les résultats évidemment sont à découvrir sur notre site internet bx1.be.